Ce sont les Monégasques qui vont donner le coup d'envoi contre la poitrine de Gilbert. C'est bien fait. Qui peut accélérer? Gilbert et trouver Armougom. Allez, il y a une occasion pour le stade, de Caen. Ça devrait pas sur le centre à Rater pour Fajr. La frappe de Fajr, elle est captée par Daniel Subasic. C'est ça, le Fajr qui va récupérer la balle. Fajr qui peut centrer, la tête de Crivelli et le but pour le stade Malherbe de Caen qui ouvre la marque après 23 minutes de jeu. Très très belle action, centre parfait de Faisal Fajr pour Crivelli, étrangement seul, abandonné par la défense monégasque. Et Malherbe, vous ne rêvez pas, qui ouvre la marque ici au stade Louis II. 23 minutes de jeu, 1-0 pour Malherbe avec ce but de Crivelli. Attention, le corner de la droite vers la gauche, la tête, oh, la parade de Brice Samba sur sa ligne. Oh là là, et on a failli assister à l'égalisation monégasque. Fajr le centre pour Casimir Ninga. Ninga qui va les défier. Ouh, il rate le cadre. Il rate le cadre, Casimir Ninga face à Daniel Subasic. Ah, c'est dommage, j'avais l'occasion de marquer un deuxième but là. Oh, le poteau pour l'AS Monaco, le poteau sur cette frappe de Jelson Martin. C'est le poteau qui sauve Brice Samba. Attention, la tête, la parade de Brice Samba encore une fois. Quel arrêt, une fois de plus de Brice Samba. Imorou, le centre de Sidibé derrière, la tête, attention, la parade encore une fois de Brice Samba. Il est énorme, Brice Samba. Il est énorme cet après-midi, Brice Samba, au stade Louis II. Attention Falcao, la tête de Falcao, la tête de Sanko. Devant les Monégasques, la reprise à Oulu. Oh, le transversal. La transversale qui sauve Brice Samba. Et c'est fini, la victoire du Stade Malherbe de Caen qui s'impose ici 1-0 en principauté. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.